je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. » Ça veut dire Dieu a préparé pour nous le salut. Et le salut, c'est être avec lui dans son royaume. Même si j'avais commis tous les péchés du monde, j'irais me jeter dans les bras de mon Jésus, car tous ces péchés sont à peine une goutte jetée dans un grand brasier de feu. C'est-à-dire que ça ne peut pas éteindre l'amour de Dieu pour nous. Tout ce qui ne trouve pas de solution chez l'homme, devant notre Dieu, nous trouvons toujours la solution. Chers confrères dans l'épiscopat, devant la pandémie du Covid-19, gardons notre statut auprès de ce peuple. Gardons ce que nous avons reçu, le feu du Saint-Esprit auprès de ce peuple. Un évêque reste un serviteur de Dieu. Il ne doit pas se laisser berner par le pouvoir. Chers confrères dans l'épiscopat, évitons le silence complice. Il vaut mieux mourir martyr que de laisser Dieu se faire insulter. Je vous le redis, quittons la peur, il vaut mieux mourir martyr que de se laisser corrompre. Obéir à César, aimer César. Parce que César, lui aussi, doit respecter Dieu, obéir à Dieu et aimer Dieu. Mais si César refuse d'obéir à Dieu, en ce moment, il ne mérite plus obéissance. Et bien sûr, il reste également ouvert à l'action de Dieu. Il reste ouvert, bien tout païen. Cyrus reste ouvert à l'action de Dieu. Il ne sera pas question d'armes. Tout au contraire, nous sommes libérés, convus par la puissance de l'Esprit Saint. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Nous aussi, bien nous continuons notre marche, parce que c'est Dieu qui guide l'histoire. Notre marche vers le 25 octobre, aucune porte de nos paroisses ne restera fermée. Nous allons célébrer le Dieu vivant et vrai, la paix du Christ.